C'est quoi ça? Putain, mais c'est quoi ça? Bah ouais. Putain, mais c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Eh ben, bah ouais. 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 Putain, mais c'est quoi? Désolé. Je suis en retard? T'inquiète, pour l'instant, personne n'est venu nous chercher. Oh, ça n'a pas commencé? Non. C'est où qu'il faut aller? Bah, on sait pas. Juste. T'attends. C'est quoi ton numéro de passage? J'en ai pas. T'en as un, toi? Non. Alors pourquoi tu demandes? Pour voir si les autres en avaient? Si les autres en avaient, pourquoi t'en aurais pas? Je sais pas, moi. Je sais même pas ce que je fous ici. Quelqu'un sait? Non. Mais tu vois, en quelques minutes, quelqu'un va sortir par cette porte-là pour nous appeler. Et c'est moi le premier. Je suis le premier, j'étais là avant, je suis arrivé avant, c'est moi le premier. C'est lui le premier. Moi, je suis la deuxième. Elle est la deuxième. Vous ! Vous vous prenez pour qui ? Le premier. Et la deuxième. Tu crois que t'es le boss ici? Non, mais c'est lui le premier. Et elle, la deuxième. Moi j'aimerais savoir, est-ce que je pourrais passer avant parce que je dois m'occuper de mon petit frère et... Non, mais c'est moi qui passe en premier. Putain. Rigolo. Ouais, rigolo. Ou en deuxième? C'est elle, la deuxième. Et lui, le premier. Eps. T'as un numéro? J'en ai pas, t'en as un, toi? Non, moi j'en ai pas. Bah non, moi j'en ai pas, t'en as un, toi? Mais il faut que je passe avant, moi. Moi j'ai pas que ça à faire. Mais non, c'est moi, je dois passer avant. Bah non, toi t'en as un. Bah non, il faut que je passe avant eux en fait. N'importe quoi. Il est quelle heure? Savez-vous où sont les toilettes? Bon, et sinon vous faites quoi sur Insta? Moi, je mate le profil de mes ex. Moi, je filoche les gens. Et on est d'accord? Twitter, c'est mieux. Bon, vous préférez McDo ou Burger King? Sinon, vous savez ce qu'on fout ici? Et quelqu'un a un casier judiciaire ici? T'as l'air d'avoir un tempérament. Ouais, et ben toi, t'as l'air d'aimer énoncer l'évidence. T'as jamais appris à te mêler de ce qui te regarde? Je crois que t'as un chat qui te tourne autour. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Et toi, t'es plutôt plus au Soleil. Hé, j'ai de l'huile de coco. Tu veux un massage? Moi, dans le pain au chocolat, c'est juste le chocolat. Est-ce que tous les hommes sont infidèles? Ils en mettent du temps, les bâtards. Heureusement que je suis le premier. Et moi la deuxième.
Les autres, ils ont l'air cons, la vie de moi. Il y en a une qui est mignonne, là-bas. T'es là pour quoi, toi ? Je sais pas. J'ai reçu ça. Toi, Lila. Quoi ? La lettre. Pourquoi moi ? Parce que t'as une tête à parler fort. Non mais d'où tu me donnes des ordres ? Peut-être que peut-être qu'il sait pas lire. D'ailleurs, je sais lire déjà. Et ben alors Lila, toi-même ? C'est pas une lettre, c'est une convocation. Vous croyez qu'on a la même convocation ? Justement, faut lire. Moi, je veux bien. Vas-y. Faut que vous m'en prêtiez une, je l'ai jetée. Quoi ? Mais t'es dingue ! J'ai renversé mon chocolat chaud dans le métro. Je me suis essuyé avec et je l'ai jeté avant d'entrer. T'as jeté ta convocation ? Oui, j'avais appris l'adresse par cœur. Bah si, tu la connais par cœur. T'as qu'à réciter. Putain ! Donnez-moi-en une ! Pour que tu me la voles ? Oh, on n'a qu'à lire ensemble. Oui, comme ça on verra si c'est les mêmes. Ok, samba go. Oui, comme ça on verra si c'est les mêmes. Ok, samba go. Oui, comme ça on verra... Eh oh ! Et moi, comment je fais ? Tu écoutes bien et tu la prends par cœur. Elle rigole. Allez, elle rigole. J'en ai une, viens suivre avec moi. Bref, toi avec la grosse voix, là, tu diras à vos marques, prêt et partez. On va faire une course ? Non, mais c'est peut-être bien de se mettre en ligne. Ou en cercle. Ouais, parce que franchement, j'ai plus l'âge de faire la ronde aussi. À vos marques, prêts, partez. Vous êtes contents ? On a tous la même. On n'y comprend que tu. J'en ai rien à foutre de leur convocation, je me casse. Yes. Bon.
Bah maintenant, c'est moi le premier. Calme ta joie. Tant que je serai là, ce sera toujours lui le premier. La vie, c'est pas de la poussière d'atmosphère, un livre de contes grand ouvert. La vie, c'est pas toute la semaine, bateau, pirate et space mountain. C'est pas le château au bois dormant, où l'on pourrait rester enfant. Et pourtant moi, je ne veux pas changer de film au cinéma. Fais attention à mon image. Tu devrais lui dire qu'elle va se retrouver sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Personne l'a snappé ? Bah, t'as pas oublié ça, là ? Quoi ? Ce machin, là, c'est pas un porte-manteau. C'est une ? Une ? C'est une ? Une caméra ? Eh ouais, une caméra. Attendez, il y a une caméra ! Quoi ? Où ça ? Mais vous êtes aveugle ! Là ! Mais je veux pas être filmé, moi ! Position capuche. Mais attendez, vous êtes sûr qu'elle marche? Regardez, le voyant est allumé. Mais vous pensez qu'ils nous filment depuis le début? La honte? C'est illégal, ils ont pas le droit. Moi, j'ai rien signé. Il n'y a pas de droit à l'image. C'est une caméra de vidéosurveillance. Ouais, tu t'es cru dans une émission de télé. Une émission de télé? Au cœur de l'actu, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission spéciale convoquée. Ce sont des jeunes perdus. Attention, certaines images peuvent choquer. Là, ils nous mettent bien sous toutes les coutures pour voir si on fait pas de conneries. Thank you.
Je ne vous raconterai pas que cette nuit j'ai volé loin au-dessus des toits dans un ciel de papier. Je ne vous dirai pas des cauchemars terrifiants où se jettent sur moi de terribles assaillants. Y aura pas de baiser avec cette jolie fille que je viens de croiser et dont les yeux qui brillent seraient venus me poursuivre jusqu'au creux de mes rêves. Je ne pourrai jamais vivre toutes ces scènes brèves. Car quand vient le soir, c'est fondu au noir, je m'endors, je m'éveille sans m'en apercevoir. On me vole mes nuits. Partie de ma vie. On me dit que la nuit je suis très agité, que je pleure, que je crie, bouge de tous les côtés. J'ai du mal à le croire, tant pour moi il n'y a rien entre le bout du soir et le petit matin. Il paraît que parfois je dis des mots d'amour dans mes songes à ce toit que j'appelle au secours. Pourquoi le magicien qui gouverne mes rêves qu'il ne reste rien dès que le jour se lève. Car quand vient le soir, c'est fondu au noir, je m'endors. Percevoir, on me vole mes nuits. Une partie de ma vie. Venez près de moi. Tu veux un câlin? Il rêve, lui. Mais non, mais d'après mes calculs, ici, on est dans l'angle mort. Hein? Mais j'ai pas envie d'être dans la place du mort, moi. C'est de la sorcellerie, ton truc. Quoi? Mais non, mais de là à là, la caméra ne filme pas. Venez vous planquer. Bande de faux voyous, je suis l'homme invisible. On les a bien niqués, les gars de la surveillance. Clairement. Tu fais quoi? Tu dessines? Non, je sais pas dessiner, je fais juste des lignes. Ah mais c'est super! Moi aussi j'adore, je pourrais passer des nuits sur une... Je sais pas vraiment, si c'est super, je fais juste ça comme ça. Et d'ailleurs je veux pas que tu me regardes. Laisse-le. À trop lui parler, on l'étouffe. Non, mais je sais pas, vous me parlez si vous voulez ou vous me parlez pas, hein. Pour moi c'est égal. De toute façon, les trucs qui étouffent, j'en connais pas mal. Vas-y, c'est peut-être ta chance. J'ose pas. C'est bon, j'y vais. Bonjour, madame ou monsieur. On a une question à vous poser. Allez, viens. Mais viens là! Mais viens ici! Allez, fais-lui coucou. Coucou, vous me reconnaissez? Vous avez aimé sa chanson? Oh, pourquoi vous répondez pas? Vous l'avez pas kiffé? Oh, les stars, enfin vous répondre, y a pas de haut-parleur. Quoi? Tu crois qu'ils n'ont pas aimé ma chanson? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ils ont adoré tes grimaces. MDR. Bon, on va pas rester bloqué là pendant 10 piges. T'as bien raison. Tu veux que je la défonce? Non, on touche pas à la caméra. Mais on peut la détourner et contrôler ce qu'elle filme. Toi, tu sais manipuler ces machins? Ça devrait pas être si compliqué. Bon, les autres, en position. On l'entoure, on la bloque, on l'occulte. Ok, elle bouge, avance, stop,
Maintenant un petit peu à droite. J'ai dit à droite, pas à gauche. Je suis dyslexique de la droite, alors tranquille quand tu me parles. Oh, vas-y, laisse-moi faire. Ok, ok. C'est bon. Yes. Yeah. Moi, à l'école, ils m'ont tout diagnostiqué. Ouais, tous les trucs qui font que les gens te regardent bizarrement. Je me doute. On est une sacrée équipe de convoqués. Toi aussi, frère? Moi aussi, j'ai grandi en équilibriste. Vu qu'ils doivent penser qu'on est cons comme nos pieds, on pourrait leur montrer nos pieds. En avant pour un fit plan. Ouais. J'ai l'impression d'être à la plage. Je kiffe trop me baigner au bled. L'été, tout juste descendu du bateau, je prends la direction de la mer, je mets mon maillot et je nage loin, au large, embrassant d'un seul regard mon Kosovo. Écrit sur mon CV, je suis née au Kosovo et j'y retourne en bateau bien souvent quand vient l'été. J'ai déjà les yeux qui brillent un mois avant le départ, impatiente de revoir la maison et la famille, les cousines rigolant qui disent à me retrouvant. Et yachté, voilà le mot qu'on me jette. T'es pas d'ici, ça se sent à ton look, à ton accent. Et yachté, et c'est vrai que j'ai grandi loin de mon autre pays. Et yachté, voilà le mot qu'on me jette, t'es pas d'ici, ça se sent à ton look, à ton accent. Et yachté, et c'est vrai que j'ai grandi loin de mon autre pays. Loin de mon autre pays. Lorsque j'arrive direct, je ressens cette fraîcheur, je reconnais les odeurs de pité et de belette. Les lumières de Wouchtri que l'on voit en loin là-bas, la saveur des baklavas et le chant de la mosquée. Les cousines rigolant qui disent en me retrouvant. Et yachté, voilà le mot qu'on me jette. T'es pas d'ici, ça se sent à ton look, à ton accent. Et yachté, et c'est vrai que j'ai grandi loin de votre pays. Et yachté, voilà le mot qu'on me jette. T'es pas d'ici, ça se sent à ton look, à ton accent. Et yachté, et c'est vrai que j'ai grandi loin de mon autre pays. Loin de mon autre pays. C'est très intelligent les pieds. C'est très intelligent les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Vous êtes grave connecté. C'est de la poétique. Notre commun des sourires des bancs d'école, le dénommé Prévert. En ce moment, je suis grave perdue. C'est mort la vie d'avant, c'est ravageant. Prévert ? Non, moi. Oh, le premier. C'est cool que tu sois revenu. Viens te baigner avec nous. Cool, ouais, cool. Et t'as vu comment on a dompté la caméra de son mince ou pas? Mais vous êtes une bande de tripanés. Toi, vas-y, filme-moi. Monsieur, je n'ai pas volé ce scooter. C'est mon pote qui a fait le coin avec. Je suis juste allé chercher une canette. Si vous voulez, je peux le dénoncer. J'ai pas de conseils à donner. Mais ceux qui ont un passé, il ferait bien d'ouvrir leur petite bouche. Unistyle. Il dit quoi? Une formule magique? Il a comme changé. Il est tout blanc. Oui. Même bizarre, perturbé. Il a un boxon dans sa tête. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous me gavez. Unistyle. Tu vas bien? T'es sûr? Et pourquoi t'es revenu? Parce qu'il est le premier! Non, je ne le suis plus. Hein? Alors le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Quand même pas le cinquième! Je suis le dernier. Quoi? Mais il dégringole! Donc après moi? Vous croyez qu'on a le droit de changer d'arbre? Et à qui tu veux demander? On n'a qu'à rien dire, un convoqué, ça reste un convoqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu un agent de l'ANR dans l'entrée? Tu sais ce qui nous attend? Ils t'ont parlé des tests? Est-ce qu'ils ont aimé sa chanson? Laissez-le parler! Bon, t'accouches! Faut pas le brusquer!
Quelqu'un a de l'eau? Moi j'ai du sucre. Tiens, ça va te faire du bien. Alors? Alors? Rien. Quoi rien? Rien. Y a pas quelqu'un qui peut lui dire qu'il ment? T'as caressé un lion au milieu d'une gigantesque forêt d'arbres noirs et sans feuilles? À peu près ça. Le lion, est-ce qu'il avait des ailes? Oh, stoppe-toi avec tes histoires d'Harry Potter, wesh. On a qu'à y aller. N'y va pas seul. Il dit ça pour nous faire peur. Attendez. Je vous le dis, à vous qui nous regardez, je pars. C'est ma mère qui devrait venir à vos séances. Elle est folle. Vous l'appelez et on échange les rôles. C'est elle qui m'a dénoncé, elle m'a inscrit. Elle pense que je vais pas bien. Allez, go. Attendez-moi! Bon, j'avoue. J'ai pris de l'alcool alors que j'avais pas 18 ans. C'est grave. Bon, j'avoue. J'ai bu un verre. Mais c'était qu'une fois. Bon, j'avoue. Deux verres. Mais c'est un pote qui m'avait obligé. Bon, j'avoue. Trois verres. C'est mon voisin. Il vous a appelé. Il a raconté que j'ai défoncé tous ses nains de jardin. Il est débile. Bon, ok, c'est moi. Vous êtes content? Ce mec, c'est un gros pervers. À chaque fois que je passe devant chez lui avec mes potes, il nous mate. J'en peux plus de ses regards vicieux. C'était pas de la morphine. Ni une poche de sang. Je vous promets, juste du Doliprane. J'ai honte d'avoir volé des médicaments à l'hôpital. La réserve de la pharmacie, elle était ouverte. J'ai été tentée. J'économise de l'argent pour le mariage. S'il vous plaît, lui dites pas à Jordan. S'il vous plaît, Jordan ne doit pas savoir. J'avoue. Je sais, je sais, je sais. J'ai fraudé dans le métro. Mais tout le monde a déjà fraudé dans le métro. Je suis un gars bien, moi. J'aide les autres. Je suis dans l'humanitaire. Sympa même avec les vieilles dans la rue. Hé hey, toi, viens. Les autres, c'est des délinquants. Je peux les surveiller. What? J'ai dû me tromper. Ils sont les autres! Par là-bas? J'étais dans une manif et...
ça a mal tourné. Au milieu d'un nuage de lacrymogène, je voyais plus rien, mes yeux piqués. Je sentais monter, envie de vomir. Le bruit, les cris, les détonations. Je suis l'escargot, la limace qui sort après la pluie. Je suis le ver de terre qui dans ma main danse et s'enfuit. Je suis la branche qui se penche où je cueillais des fruits. Et puis le feuillage mouillé qui me faisait abri. Je suis mes doigts qui plongent dans le sol humide et froid. Je suis le pommier entortillé où je grimpais parfois. Je suis après la pente raide, le haut de la colline. Je suis chaque endroit où j'aimerais pouvoir prendre racine. Je suis un jardin secret qui sans cesse se recrée. Je suis ma propre terre sacrée. Du Vercors au Verdun, jusqu'aux rives du Jourdain, de l'Angleterre à l'Algérie, là où poussent toutes mes vies. À chaque fois, on retombe exactement au même endroit. C'est quoi cette merde? Tout est normal. On marche. On avance dans le couloir. On avance. Il y a des portes. Normal. Il y a une porte, deux portes. Trois portes, normal. On court dans le couloir, le mur existe, le sol existe, normal. Hein? On entend fort les battements de notre cœur et le bruit de nos pas. Et puis, des frissons. Tout est normal. On avance dans le couloir, on avance, il y a des portes, normal. Sauf que... Pas la sortie ! La porte des couloirs ! On pousse une porte et on revient toujours dans la même salle d'attente. Bande de fils de pute, ouvrez la porte avant que je vous goume ! Quelle porte ? Wow.
parfum. Oh, je pourrais manger du loup. En bas de mon quartier, il y a le snack et ses cordons bleus. Sauce curry, gruyère, salade, tomate, oignon, avec un coca chéri. Et vous les malmenés? Un gros seau de poulet KFC avec de la mayonnaise et des frites bien chaudes et bien douces et un litre d'ice tea bien glacé. Ah, je me le taperai d'un coup. Et en dessert, un gros seau de glace avec des gaufrettes et des marshmallows. Moi, j'imagine les fameux nems de ma mère qu'on mange avec de la salade et qu'on trempe dans la sauce en dizaines, en centaines. Bon, au point où j'en suis, je mangerai n'importe quoi. Même lui? Bah ouais. Il a qu'à dessiner un four, je le fous dedans avec des petits oignons. Moi, je préférais le bien moelleux là-bas. Ah. Ah. Appétissant, hein. Mais je suis au régime. Allô? 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 Oui, allô. Je suis plan 4G là. Je t'entends pas là. Je suis où? Allô? Mais bordel, si, un rendez-vous. Plus fort. Allô? Allô? Le rendez-vous. Quoi? Je sais pas, je t'entends trop mal. Allô? Si je suis contente oui, de mon opérateur. Je pourrais allô? Pas. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre la NR, opérateur? Tu m'entends? Appelle la NR. Quoi? Allô? 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 Si, si, madame. Je suis en train de faire. Allô? Allô? Vous comprenez pas qu'ils n'entendent pas? Allô? Allô? Putain. Ouh! Ils vous entendent plus, on capte plus rien! Allô? 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 Chut, chut, chut! Allô? 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 Chut, chut, chut! Allô? 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 Allô, 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 qu'on est enfermé ici. On est seul sur terre. Je vais mourir d'une manière nulle. Mes parents vont se dire que je suis trop conne. Cette fille, putain, on l'a finie à la pisse. Oh, calme-toi. Moi non plus, je vais pas bien. Je sens monter la crise. Et j'ai pas mon traitement. Et eux, ils se croient chez leur mère. Déjà que je dors pas, j'en peux plus de vous. Je suis une putain de zombie, je tourne toute la nuit. Je déteste le silence, moi tout ce que je veux c'est du bruit. Je tourne, 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 tourne autour de mes insomnies. Symphonie de mes nuits blanches assommée mais en vie. Putain d'insomnie qui sème ses pétales de nuit. Sur chaque heure du jour où je somme, un bail m'ennuie. Mes nuits sont un ring où je me bats contre cet être gluant qui me prend dans ses bras, ne veut pas que je m'assoupisse tranquillement. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mords. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mords. Cette fille aux arbis qui brasse, brasse, brasse à côté, qui fait du bruit. Dans la maison endormie, quand vous réveillez la nuit, il y a toujours cette vigile qui tape sur un clavier qui dit un
insomnie sans nous lier à vie. Me laisseras-tu faire un samedi, n'importe quand, dimanche ou samedi? Dis-moi de quoi suis-je puni. Insomnie, pourquoi suis-je en veille? C'est quoi qu'il faut que je surveille? Toujours en scène, tu m'as choisi pour être la reine de la nuit. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mens. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mens. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mens. Ils sont tous penchés sur moi, se disent enfin elle dort. Mais d'un coup j'ouvre les paupières, me redresse et je mens. On n'a qu'à parler tout doucement. Viens dans nos bras, on va te faire un refuge. Visiblement, il n'y a plus que lui qui a du réseau. C'est vrai, il écoute sa musique depuis tout à l'heure. Faut qu'il appelle quelqu'un pour nous libérer. Wesh mec, tu nous entends? C'est bon, je te pique son portable. Mais vous êtes malade. Hey, calme-toi, on va te le rendre ton bigot. Calme-toi, mec, calme-toi. Putain, ils ont raison, la NR, vous êtes des délinquants. Allô, quoi? Allô. Je cherche. Il y a de la barre? Il y en a un peu ici. Il y a de la barre. Ouais. Merde, ça a disparu. Putain. Montre, j'ai vu plus haut. Faut monter sur une chaise. Bah aidez-moi. On la porte. Attention, j'ai peur. Allez, j'ai peur. Ne lâchez pas. Allez, c'est parti. J'appelle qui? Les flics. Mais non, pas les flics, je dis shit. Les secouristes. Mais on n'est pas malade. Le président. Mais non, le président, ils sont fous de nous. Le maire. Ok. Il répond? Chut. Allô? Oui, bonjour madame, on est des jeunes, hein? Vous me passez le service jeunesse? Oui, mais Alors? Il y a une musique qui fait la 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 la. Lâchez-moi. Quoi? Putain, Zebi, il n'y a plus de barre, c'est à couper. Connard. Portable, merde. Il y a les asthmatiques qui sont en train de mourir. Quelqu'un de la bandoline? Oh, on se calme. Je suis habitué à ce genre de situation. Allez, tout le monde s'allonge. Concentrez-vous sur ma voix. Respirez. C'est bien. Imaginez-vous dans une prairie. Le soleil vous caresse le visage. Vous sentez le vent. Et il y a des petits moutons, gentils. Fais un effort. Calme-toi, concentre-toi sur ma voix. C'est bien. On est dans une prairie et il y a des petits moutons qui font... Pourquoi tu pleures? C'est à cause d'un beau mouton. Comment il s'appelle ce beau mouton? Il s'appelle Jordan. Pense à Jordan. Je l'aime. Chante-le. Dans le secret de mon cœur.
approcher comme dans un film, secret la complicité. C'était tellement intense, tellement passionné. Je l'aime, Bolingo. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Un regard, un mot, une phrase, un sourire, une histoire qui va sourire. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Mais d'un coup, plus un mot, un regard, un sourire, l'indifférence. Pas pourquoi ce terrible silence. Je crie et je pleure devant tant de légèreté, comme si ça ne comptait pas, comme si rien s'était passé. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur, il m'en reste un goût amer. Je suis brisée, même si mes plaies demeurent, je commence à les soigner. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Un regard, un mot, une phrase, un sourire, une histoire qui va s'ouvrir. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Un regard, un mot, une phrase, un sourire, une histoire qui va s'ouvrir. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Un regard, un mot, une phrase, un sourire, une histoire qui va s'ouvrir. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur. Dans le secret de mon cœur. Oh, on se détend, on n'est pas en prison, on est dans une putain de salle d'attente. Regardez, il y a des chaises. Bah ouais. Ça existe pas une salle d'attente sans chaise. Vous aviez déjà entendu parler de l'ANR? C'est écrit sur la convocation. Agence nationale de remodélisation. Agence nationale, on connaît. Mais remodélisation? Ils vont remodeler quoi, notre cerveau? Et si on était dans une agence de... top modèle. T'es barjo? T'as pas vu la gueule aux autres? Y'en a pas un qui a la classe mannequin. Dis tout de suite qu'on a une tronche pourrite. Calmez-vous, elle est pas mieux servie, ils vont pas la prendre comme modèle. De toute façon, dans remodélisation, on est clairement pas le modèle à suivre. Ah, tu penses qu'ils veulent nous mettre dans un moule? Bah ouais, nous on est plutôt du genre délaissés. Désaxés? Des qui ont poussé comme ils pouvaient. Alors? Ces gentils agents de remodélisation, ils vont nous mettre sur le droit chemin. À grands coups de pompe dans le cul, ils vont nous la les mettre. Les coups avec moi, ça n'a jamais marché. J'ai la tête dure et bien vissée. Arrêtez de tomber dans la parano. C'est écrit. Rendez-vous, bilan, test. Oh, la première de la classe, t'as pas fini de faire la leçon? Laisse-la parler. C'est quoi ces tests? Je sais pas. Des tests psychologiques. Ils veulent sans doute faire un état des lieux. De quel lieu? Moi, je suis née en France. Le lieu, c'est nous. Une sorte de bilan de santé version cata. On se détend. On n'est pas en prison. On est dans une putain de salle d'attente. Regardez, il y a des chaises. Bah ouais, ça existe pas une salle d'attente sans chaises. Vous aviez déjà entendu parler de l'ANR? Eh, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Oui. Il tourne en boucle. J'ai rien compris à vos histoires. Mais je suis sûre qu'il y a une douille. C'est toi, la douille. Dans le texte, ils disent qu'on peut se faire accompagner, mais qu'il faut les prévenir 7 jours avant. La convocation, vous l'avez reçue quand? Hier. Donc, on ne pouvait pas les prévenir. Pourquoi? Parce qu'entre hier et aujourd'hui, c'est trop court. C'est trop court. C'est pas assez long. C'est court ou c'est long? On n'y comprend rien à ta douille. Entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas 7 jours. Oh. Par qui tu aurais voulu être accompagnée? Par ta maman? Plutôt par un avocat. T'as des trucs à te reprocher? Pas plus que toi ou les autres. Tu me traites de voyou là, c'est ça? Wow. Vous croyez pas qu'on a d'autres choses à faire que de se battre entre nous là? Moi, on parle pas comme ça. Et là, tu tournes en boucle. On
On se détend. On n'est pas en prison, on est dans une putain de salle d'attente. Regardez, il y a des chaises. Bah ouais, ça existe pas une salle d'attente sans chaises. Vous aviez déjà entendu parler de la NR? C'est ça la douille. Putain. Il y a une autre douille. Oui, et monumentale. Monumentale? Monsieur Parker, tu veux bien relire le deuxième paragraphe? Nous vous rappelons que sur l'inscription de la liste de l'ANR implique des droits... Elle est là, la douille. La douille. Mais qui, ici, parmi nous, s'est inscrit sur les listes de l'ANR? En tout cas, pas moi. Nous non plus. Moi, je sais plus. Ou je devais être encore totalement défoncé. Ou en garde à vue. Ils te font signer n'importe quoi. Ou sur Internet. Tu cliques, hop, directement fini sur les listes de l'ANR. Bah ouais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ou ouais. Tes darons, ils ont tellement peur que tu déconnes qu'ils te vendent à l'ANR. Prenez mes enfants, mais sauvez-les, Madame ANR. Peut-être qu'il n'y a pas à s'inscrire. Soi-même, je veux dire. Peut-être qu'à 18 ans, ça devient obligatoire automatique. On se détend. On n'est pas en prison. On est dans une putain de salle d'attente. Regardez, il y a des chaises, putain. Bah ouais. Ça existe pas une salle d'attente sans chaises. Vous aviez déjà entendu parler de la NR? Chaque soir, le cul entre deux chaises, je sais jamais où je vais m'asseoir, la ville ou la thèse. La ville ou la thèse, la question on se la pose chaque soir, le cul entre deux chaises, je sais jamais où je vais m'asseoir, la ville ou la thèse. Finir dans un HLM ou un quartier chic, la rue a son charme et d'un côté mon poteau c'est chaud. À l'affût comme un chauve quand je suis pas de chez moi, mais j'ai redave la paire de TN, mon poteau ça vient de chez nous. Entre chez nous et chez vous, y'a rien qui change. À part que le Père Noël s'habille en noir et pas en rouge. Fini les cadeaux mignons, dans la cité c'est miné. Il passe plus par la cheminée. La ville ou la thèse, la question on se la pose chaque soir. Le cul entre deux chaises, je sais jamais où je vais m'asseoir. La ville ou la thèse. La ville ou la thèse, la question on se la pose chaque soir. Le cul entre deux chaises, je sais jamais où je vais m'asseoir. La ville ou la thèse. Je l'ai cramé à venir dans la cité. Je sais qu'il est pas d'ici, il a partir et c'est la scène. J'ai un détecteur fiable à 100% et ceux de mon secteur direct le sens. Pour venir à l'audition, c'était comme une odyssée. J'ai une drôle d'impression, y'a pas que des jeunes de quartier. La vie c'est une mission, on a tous une convocation, mais pas les mêmes occasions et surtout pas le même casier. Où est ma place? La ville ou les quartiers classe? Où est ma place? Avec ces gens que je connais pas. Où est ma place? C'est pas qui me chape de travers. Où est ma place? Mais sont pas comme moi. Où est ma place? Avec ces gens on se comprend pas. Où est ma place? Je pose des questions, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous veulent exactement? La question cruciale, c'est qui est ce il? Les services sociaux, l'éducation nationale, la police. Et si on était dans un escape game? Un jeu grandeur nature. Et comment on en sort de ton jeu? En trouvant la solution d'une énigme. En plus, il va super loin alors. Et si il avait raison? Cherchons des indices. Où ça? Bah, je sais pas, sous des chaises. Starfallah, y'a rien ici. La convocation. Peut-être que si on l'a relu... Y'a pas d'indice. Rien que des formules administratives. Parce que le message, il est caché. Imaginez que chaque premier mot de chaque ligne forme un message codé. Une clé, un passeport pour le dehors. Alors, A, agence, convocation. Madame, en vouloir, C. Nous, notamment,
des 6 convocations. Veuillez le... Essaye avec la première lettre de chaque ligne. Akmevkne. Akmevkne. Merde, je suis nul. Non, t'es pas nul. Personne ici n'est nul. Et si on était dans une expérience scientifique? Une expérience poussée à l'extrême, hein? Une expérience sociale. Ils veulent mesurer nos capacités, notre résistance. Comme ils font dans les prisons. Au début, quand t'es incarcéré, ils te testent au milieu des autres détenus. Pour voir si t'es plutôt meneur ou si tu te fais influencer. Une période de quarantaine. Ils veulent tester sur nous un virus. Un tout nouveau. J'y crois pas. Éthiquement, pas possible. Aucun scientifique ne cautionnerait. Tu sais, à l'hôpital, les médecins, ils diminuent, ils augmentent les traitements. Et nous, les patients, ça nous fait pas toujours du bien. Donne-nous ton adresse. Je veux bien être surdosée. Je vais me shooter et devenir rat. Un organe de l'État voudrait faire de nous des rats de laboratoire? Non, non, mais on vire au pire scénario complotiste. Du calme, les intellos. Un groupe de jeunes doivent s'affronter dans une salle d'attente. Mesdames et messieurs, il y aura du sang, du suspense et de l'amour. Je vous sers le pitch et vous me dites. Télé-réalité! Toutes les deux, vous avez fait un grand pas vers la sélection. Plus t'es conne, plus tu gagnes de la thune. Décidément, nous avons une candidate du tonnerre. À la télé, les candidats, ils trichent. Moi, je ne triche pas. Et toi, tu vas tout donner. Pourquoi moi? Avec ta voix, tu peux gagner. Je suis timide et je sais pas danser. Fais-moi confiance. La télé-réalité, c'est comme un conte de fées. Vous deux, vous m'installez la scène. Toi, micro. J'ai besoin de 2 choristes. Les gagnantes, ici. Prince charmant, je suis ta bonne fée. Autour de toi, je vais te mettre 2-3 pélos qui savent bien bouger. Attention, le cadreur. Je nous le fais bien chalouper. T'inquiète, je t'en gomme net. Alors, moi, je dis... Action! C'est mon jardin secret, plein de parfums sucrés. Il y a des fleurs, de lotus, des pétales d'or sur l'étang, de longues tiges. J'aime cet endroit depuis longtemps. C'est un jardin secret, plein de parfums secrets. Je m'y sens bien, j'y vais quand la vie est compliquée. Il y a des fruits exotiques, des odeurs de jasmin, et on entend la musique d'une douce chanson vietnamienne. C'est un jardin sucré, plein de parfums secrets. Je m'y sens bien, j'y vais, rien ne peut me dissuader. Jardin secret, jardin secret, jardin secret, jardin secret, jardin secret.
J'ai rêvé que je faisais un duo avec Billie Eilish. C'était tellement réel que quand je me suis réveillée et que c'était fini, j'étais au bout de ma vie. Oh, oh, oh. Quoi ? Oh, oh, oh. Et si on rêvait pour de vrai ? Que tout ça n'existe pas ? Pour de vrai ? Que ce soit un cauchemar ? Pour de vrai ? Là, vous délirez complètement. Ils vous ont filé quoi, les médecins ? Que elle rêve d'être une star, je veux bien. Mais que elle, lui, enfin nous tous quoi, en soit en même temps dans le même rêve, pas possible. Comptez vos doigts. Ok. Un, deux, dans mes rêves, trois, quatre. J'en ai plus que dans la réalité. De base, tu comptes quoi? Les doigts d'une main, de deux mains, ou tu additionnes aussi ceux des pieds? Tu prends ta main et tu comptes. La droite ou la gauche? Celle qui te sert de caresser la joue. 1, 2, 3, 40, 1, 2, 40, 16, 40, 16. Pensez-moi! Quoi? T'en as combien? 12! Oh. Plus un tigré! Oh. Oh. Oula! Oh. Arrêtez votre plan, c'est de la sorcellerie! Oh. Et si on était martyrisés par des genounes? Des genounes? Ouais, les esprits là! Les genounes! Nous? On peut pas les voir, mais les animaux, ils les voient. Ce qui serait intéressant, c'est que vos esprits, là, on les voit à la caméra. Non mais attendez, vous y croyez aux esprits? Moi, non. Moi, je crois que les morts, nos morts, ils viennent nous rendre visite. Les gens de la famille, les amis, les ancêtres et les ex nous font coucou certains soirs. Même si tu les aimes pas? Ouais. Moi, j'ai pas envie de partir en débat sur l'au-delà. Mais par contre, l'idée qu'on soit tous en train de rêver, ça me parle bien. Pourquoi ? Bah, moi, je rêve pas. Mais d'après ce qu'on m'a dit, dans les rêves, il y a des trucs illogiques. Et là, je sens... Quoi ? Vous êtes sérieux ? Il y a que moi qui les vois. Qui ? Les genoux ? Allah Luna ! Mais non, mais ils sont pas vraiment effrayants. Je vais essayer de faire le point sur eux. Regardez-les. Oh. Regardez. Il y en a là. Là. Ouais. Oh ouais. Oh. Oh. Et là. Ouh là 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 là. Mais ils sont nombreux. Mais c'est pas des genoux. Ils ont l'air gentils. Ils bougent presque pas. Contact ou capuche? Capuche d'abord, possibilité de contact après. C'est qui? Ben, c'est pas. Ils sont bien rangés en ligne. Ils attendent quoi? Ils nous écoutent. Ils se marrent quand on les regarde dans les yeux. Ouais. Attendez, si nous, on est les convoqués, ben, eux, c'est l'ANR. Non, sinon ils auraient parlé. Est-ce qu'ils ont des convocations? Je leur demande. Vas-y, mais sois prudent. Okay. Bonjour. Bonjour. Et deux, trois, ils ont l'air complètement lobotomisés. Clairement, voilà. Bah ouais, si t'as pas de problème, que ta vie c'est bien crème, tu bouges pas, tu restes assis à ta chaise comme une moule accrochée à son rocher. Pour vous, la vie c'est facile. Aucun de vous n'a jamais eu à s'adapter. Thank you.
Nous sommes déconvoqués. Alors eux, c'est des convives. Ils sont invités au grand banquet de la vie. Nappe blanche, tapis rouge, friandises et tout et tout. Bon appétit les frères. Profitez bien du spectacle des convoqués. On pourrait organiser une battle. Ouais. Convives contre convoqués. T'as clairement raison. Et c'est sûr, on va les plier en deux. Et en deux. Toi, tu voudrais être à leur place ? Alors là, non. Non, certainement pas, parce que... ici, on a la parole. Je peux dire n'importe quoi, et eux, ils m'écoutent. Ils peuvent se boucher les oreilles, hein. Mais mes sons vont quand même leur rentrer dans la tête. Finalement, je les aime bien, les convives. Nous, ouais. Les convoqués, on a du cœur. Lui, il est trop mignon avec son air sérieux. Il est attentif, même au silence. Je crois qu'il kiffe. En tout cas, à l'image, vous êtes top. Peut-être que c'est notre reflet et qu'en vérité, on leur ressemble. On est plus beau quand même. Ouais, c'est vrai quand même. Non, on n'a rien à voir. On vit dans des dimensions parallèles. On croise pas, on frotte pas nos existences. Donc, nous sommes des convoqués, perdus dans un rêve entouré de convives. C'est possible ? On fasse une sorte de rêve collectif ? Bah non. On se connaît pas. Et si il y en avait qu'un seul qui rêvait et qui nous mêlait à ces histoires ? Putain de dormeur psychopathe. Ou de dormeuse perverse. On serait dans le rêve de qui ? Je vous conseille pas de rêver avec moi car moi mes rêves se terminent mal. Il faut trouver notre rêveur. Ouh, notre rêveur. Ou plutôt, notre cauchemardeur. Il est parmi nous, je le sens. On va le chasser. Il est peut-être pas vraiment là. Imaginez, l'un de nous dort encore dans son lit. Au lieu d'être venu au rendez-vous de l'ANR, dans son rêve, il psychote. Il panique, car même s'il ronfle, au fond de lui, il sait qu'il est en retard et qu'il va rater sa remodélisation. Il psychote encore plus. Et il nous entraîne tous dans ce scénario de science-fiction. À côté, les histoires de June, c'est beaucoup plus clair. Donc là, il y aurait un rêveur dans son lit, et nous, on serait les personnages du rêve de ce rêveur. Sortez vos bigots. On met tous nos réveils à piper. La sonnerie d'enfer, elle va vite fait le réveiller, on se barre du rêve. Ouais. Ok, on se programme pendant 10 secondes. Cool. Et dites... J'ai une jolie sonnerie que j'ai téléchargée. J'ai trop envie de vous la faire écouter. Moi aussi, j'en ai une. Vous rigolez ou quoi ? La sonnerie, faut qu'elle réveille un mort. La basique de base. Les convoqués, on y est ? Go ! 10, 9, 8, 7... Attendez ! Quoi ? On se dit au revoir quand même. Allez, salam. 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 Salam.
c'est cool, hein. Les convoqués, on y est? Go. 6, 5, 4, attendez. 3, 2, attendez. Quoi? Tu joues à quoi là? Moi j'ai un monde à retrouver. Justement, et si il n'y avait rien à retrouver? Je veux dire que s'il n'y a qu'un seul rêveur, les autres ne sont que des personnages. Et qu'en dehors du rêve du rêveur, les autres personnages disparaissent. T'as peur qu'on se disloque totalement? Oui. Putain, j'en ai marre. S'il te plaît, toi avec ton stylo, offre-nous des lignes de fuite et des perspectives. Elle t'a dit, avec ton stylo, offre-nous des lignes de fuite et des perspectives. Des lignes, je peux en offrir. Et elles traceront des perspectives. Moi, quand je peux plus, je trace. Je trace des lignes sur mon cahier pour fuir ce qui me met mal. Oui, quand tu dessines, tu t'évades. Je vois où tu veux en venir, mais je sais pas si mon trait sera assez puissant pour permettre une évasion collective. Projette-le sur une feuille monde. Je peux dessiner une porte. Et on la défonce. Fais mieux, dessine-nous un monde. Et on le défonce? Peut-être, s'il nous convient pas. Venez, en perspective des lignes de fuite pour une évasion collective. Tu seras notre capitaine. J'ai pas le sens de l'orientation, hein. En capitaine, il y a mieux. Ça tombe bien, les chefs, on n'en veut plus. On les élira comme chez les pirates. Et sur les mers, on prendra le temps de se perdre un peu. Tout en questionnant notre tempo. Embarquement immédiat, bande de pirates! Ouais! Franchement, là, y'en a marre de ramer. Putain de galère. Toi, montre, reste pas à l'écart. J'ai peur d'avoir le mal de mer. T'inquiète, tu vomiras un bon coup et ça ira mieux. Il faut que vous m'aidiez. Il faut les habiter, mes lignes. Ce qui me fait m'enrager, c'est le futur. Tu veux te faire t'engager? Toi, écoute avec ta tête et comprends avec tes oreilles. Okay. Moi, ça me va. On va s'enrager le futur. Ouais. Ok, et si on s'en sort, les histoires, on les écrira nous-mêmes. Ouais. Il faudra juste trouver qui voudra bien les écouter, nos histoires. Bah déjà, y a nous, hein. Et des comme nous, y en a plein. Toi, partons sans un bruit. Retiens ton souffle jusqu'à ce que les parents nous oublient. Chante une chanson qui accompagne la pluie. La ville est si belle et le ciel si gris. Lève-toi, partons maintenant. On n'a plus le temps. Partons pendant que brûlent nos 17 ans. Quelque part, quelque chose nous attend. Fuyons tous ces instants que l'on n'a pas vécu. Fuyons avant qu'on ne le veuille plus. Dans cette chambre et les amitiés mortes, dis-moi encore qu'il faut que l'on sorte. Fuyons sur ce chemin qui danse à nos pieds. Fuyons tous ces moments passés à épier.
Et de débarquer. Allez, on se manifeste. Nous sommes une jeunesse qui danse dans un monde en furie. Nous sommes cet arbre calciné où pousserait un fruit. Nous sommes cette envie d'aller voir par-delà la colline. En somme, si quelque part encore un monde s'imagine. En relation. Fini de raser les murs. On veut pouvoir dégouliner, accueillir et laisser éclater des spontanéités. Tout en préservant la multiplicité de nos personnalités. Et de nos rythmes. Mais toujours en relation. Nous ne voulons plus être convoqués. Nous ne voulons plus être tirés au sort. Car à partir d'aujourd'hui, notre sort, on se choisit. Et si quelqu'un veut nous freiner, on va lui en jeter des sorts. Avec nous les genoux. On veut prendre part. On veut notre part. Et de la douceur. Des brioches. Du riolet. Des churros. Et du chai. Et 2-3 bières pour trinquer avec vous. J'ai caressé la crinière d'un lion au beau milieu d'une gigantesque forêt d'arbres noirs et sans feuilles. Depuis, je ne cesse de suivre sa trace. Hey!
Hey!